L'aileron avant de Mercedes jugé illégal par la FIA. Incroyable. Regardez Mercedes, les tricheurs. Le journaliste de Sky Ted Kravitz a entendu dire que la nouvelle aile avant de Mercedes n'est pas conforme au règlement. Les winglets ne seraient pas légaux et l'équipe serait donc obligée d'abandonner le composant pendant le Grand Prix des États-Unis. Le nouvel aileron n'est qu'une des mises à jour apportées par Mercedes. L'aile arrière et le plancher ont également reçu des mises à jour. Selon les rumeurs, les nouvelles pièces représenteraient une perte de poids de 5 kilos. C'est pas négligeable. Donc voilà, cet aileron avant est donc illégal. Mercedes ne peut donc pas s'en servir. Donc les winglets, hein, c'est les espèces de machins noirs pointus là, qui seraient donc illégales selon les FIA. Bon, donc, par contre, dépasser le budget, c'est pas forcément illégal visiblement. Donc voilà, Mercedes ne peut pas utiliser cette pièce, cette œuvre d'art pour Austin, en espérant que les autres Zévo portent leurs fruits évidemment. Je vous laisse commenter.